Pas besoin de motiver l'importance de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est dans tous les journaux, c'est des réalisations extraordinaires, c'est pratiquement tous les ans quelque chose de nouveau, quelque chose de décoiffant, quelque chose de bluffant. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Ces grands modèles de langage, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'on ne les comprend pas vraiment. On ne comprend pas, on ne les explique pas vraiment. C'est de la science qui est en train de se faire. Et peut-être plus que d'autres parties de l'informatique, ça questionne, ça nous questionne, parce que en même temps, ça a des impacts sur nos vies quotidiennes qui sont considérables, dans la justice, dans la santé, et en même temps, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement. Ça pose des problèmes de responsabilité de logiciel, ça pose des problèmes d'éthique. Le titre, est-ce que c'est intelligent ou pas ? À la limite, on s'en fout, parce qu'on ne sait pas vraiment définir non plus ce que c'est que l'intelligence. On sait ce que c'est artificiel, mais quand on définit des outils, on ne passe pas notre temps à dire qu'ils sont artificiels. Donc on va essayer d'expliquer, de discuter l'intelligence artificielle, discuter les risques que ça pose à notre société. Un outil aussi considérable, un outil aussi puissant, évidemment, ça vient avec beaucoup de questionnements. On a invité Anna Lombert, Daniel Handler, Laurence de Villers et Gilles Devec. Ils sont passionnant et je suis sûr qu'ils vont nous aider à comprendre ce sujet qui questionne tout le monde aujourd'hui.